célèbre la nouvelle année, elle s'appelle comment? Rosh Hashanah, ouais. Non, ça veut dire quoi? Si je traduis littéralement, ça donne quoi? Tête de l'année. C'est quoi la tête de l'année? Pourquoi? Il y a le pied de l'année, il y a le coude de l'année, il y a le bras de l'année. Si tu veux, viens, on fait une soirée, je fête. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fête le pied de l'année. Là, tu l'as, on va fêter. Qu'est-ce qu'on va fêter là? Le début de l'année. Ok? Alors pourquoi on dit tête? Pourquoi ça se dit comme ça, tête? Pourquoi tête de l'année? En vérité, il faut savoir que de la même façon qu'un homme, même lorsqu'il est en comment ça s'appelle? Même quand il est en malade, il peut pas bouger, il peut pas se déplacer. La tête, c'est ça qui laisse la personne encore sereine. C'est-à-dire il y a des gens qui sont loi aleno, loi alechem, handicapés, mais qu'ils ont toute leur tête. Ils ont toute leur tête. Ils peuvent te dire de faire des trucs, t'organiser à faire certaines choses, machin, tout ça. On voit que la tête, c'est le plus important. On va aller un peu plus loin. Quand quelqu'un il doit se faire opérer, chas v'shalom. Tu te fais opérer, quelqu'un il s'est coupé, chas v'shalom, la main, ou il a un tendon à faire au coude ou quoi, dans une main. Tu viens, tu recoupes, même si le médecin, il a dépassé un demi-millimètre, un demi-centimètre, même 1 centimètre, tout ça, ou il a fait trop de points de suture, c'est pas grave. Tandis que, chas v'shalom, chas v'chalila, quelqu'un qui se fait opérer de la tête, chaque millimètre ou micron de millimètre, il est important. Alors, il y a ici, il y a un avraire, son fils, il s'est fait renverser par un autobus. Il a reçu un traumatisme crânien. Je me rappelle, il est resté pendant plus d'un an à l'hôpital. Et opération, et opération. Et il opérait. Et quand il opérait, il touchait à quelque chose. Et après, une autre chose, elle ne marchait pas. Il opérait, il touchait à autre chose. Jusqu'à que, bah, au Hachem, je ne sais pas, je ne me rappelle plus ce qui s'était passé exactement. Mais il y a eu le médecin qui a su toucher l'endroit précis qu'il fallait. Et bah, au Hachem, aujourd'hui, il marche, il parle. Il a repris ses connaissances. Il avait tout perdu. Il parlait comme un bébé. À tel point que dans la tête, chaque millimètre, il est important. Parce que si on touche à quelque chose, Chas v'Shalom, on peut abîmer autre chose. C'est la même chose à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. C'est quoi la tête de l'année? C'est que tu viens et que tu vas tout à la précision décider ce qui va se passer pour ton année à toi tous les jours. Maintenant, si toi, tu n'utilises pas les kélim, les ustensiles qu'on t'a donnés maintenant en Elul, les 10 jours à Sarat Yemei Teshuva, les jours de pénitence, de faire le maximum pour qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne des choses. Je vois des mecs dans l'année, ils arrivent, ils me viennent voir, ils disent, ah, j'en ai marre, regardez, il m'est arrivé ça, regardez ça. Mais où t'étais à Rosh Hashanah? Où t'étais les jours de Rosh Hashanah? Où t'étais le jour de Rosh Hashanah? Où t'étais pendant les 10 jours de pénitence? Tous, on doit se reprocher à ça à nous, parce que tout a été décidé là-bas. Alors, on peut changer la chose, ça se change. On peut dans l'année même changer, mais c'est encore plus, c'est plus difficile. Et c'est faire une tshuva encore plus difficile. T'as pas une siyata d'Ishmael, t'as pas une aide divine comme dans l'année. T'as, okay, toute personne, a écrit la Gemara, elle dit comme ça. Arotze le taher, mais ça il non. Quelqu'un qui veut se purifier, on t'aide, on vient, on t'aide. Mais là, pendant la période où on est maintenant, c'est comme une lettre à la poste. Tac, 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 ça va très, très, très vite et tu peux changer beaucoup de choses. À toi de vouloir. Si toi tu veux, alors tout est possible. Kadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, il donne cette force-là de pouvoir savoir que chaque instant, là, pendant le mois d'Elul, c'est ça, comme dans la tête, chaque millimètre est important. Aujourd'hui, au mois de Elul, à Aseret Yemeshua, chaque instant, il est important. Ne perdez pas votre temps à des bêtises. Baruch Adonai, Elohim, Amen, Amen.